La ville de Chaozhou, dans le Guangdong, est très connue depuis l'Antiquité pour ses artisanats ingénieux et merveilleux. Ici, on trouve partout des produits diversifiés et un grand nombre d'artisans de tout genre. Parmi les nombreux artisanats, le tableau de paille excelle et est considéré comme la carte de visite de Chaozhou. Fan Zhewei, héritier de l'artisanat du tableau de paille de Chaozhou, travaille dans ce métier depuis plus de 40 ans. Il a obtenu d'innombrables prix. Mais récemment, Fan Zhewei rencontre un problème épineux. Comment achever en 3 mois l'œuvre La Symphonie de 100 oiseaux ?客人要给我们定一个作品，百鸟和鸣，要求是100天就要交货，所以这个时间很紧，难度很大。这些都是用手工做的，又不是机器做。绑结就是太紧了。那这一幅画呢，就一个孔雀来说，一个尾巴，平均起来呢要剪300多刀。我们一个孔雀有100多条这个尾巴，那合起来就要3万多刀的剪切工艺，啊，所以这个是没办法想象的难度。 Les 100 oiseaux vivants de différentes formes sont tous faits en paille. La difficulté consiste à mettre en valeur parfaitement, dans le délai fixé, la texture des plumes d'oiseaux avec des pailles et réaliser en même temps un effet de 3 dimensions.我们现在这幅画呢，时间比较紧，这个树呢，老师傅你来完成，你要辛苦一点啦，加班。这个孔雀呢，还是你来做。那这个又像以前一样的做法？我们这10年前做的啦，现在重新做，那肯定要把它做得更好。 Le thème « La symphonie de 100 oiseaux » jouit d'une grande réputation. Il y a 10 ans, Fan Zhewei a obtenu le prix d'or du concours de maître d'artisanat de Chine. C'est pourquoi le client lui a confié ce travail. Fan Zhewei a mis une année pour créer le précédent tableau, La Symphonie de 100 oiseaux. Cette fois-ci, il n'a que 100 jours et en plus il doit faire des innovations techniques. C'est un défi majeur pour lui. Pour accélérer le processus de production, le soir même, Fan Zhewei a fait des modifications du dessin. C'est la première étape, la plus fondamentale. Cette modification rendra la production encore plus difficile, comme la partie la plus complexe à faire du tableau est le pan. Le temps consacré au pan prolongera la durée totale. Le tableau de paille, dès sa naissance, est destiné à être un artisanat dont le travail est lent et lourd. Il faut faire pleinement usage du lustre naturel et de la texture des pailles pour représenter l'univers.
Le dessin du croquis prend normalement 15 jours. Mais vu les délais, Fan Zhewei a travaillé jour et nuit et a fini la modification du dessin originel en une semaine. Nous sommes à 90 jours de la livraison. Le tableau, la symphonie de 100 oiseaux, n'existe que sur le croquis. La prochaine étape est la sélection des matériaux. La qualité d'un tableau de paille dépend des matériaux. Les meilleurs matériaux sont des pailles récoltées à la main, dont l'intégralité a été conservée. Les pailles récoltées à la machine risquent d'avoir des ruptures et des fissures. Les pailles fissurées ne sont pas utilisables dans la fabrication du tableau de paille. L'an dernier, Fan Zhewei est allé au nord-est de la Chine et a acheté un lot de paille de qualité supérieure. Ces pailles doivent être conservées dans un endroit sec et ne sont utilisables qu'après au moins un an d'oxydation naturelle. Ensuite, il faut procéder au traitement minutieux des pailles. Les artisans enlèvent d'abord les deux bouts des pailles en laissant seulement la partie au milieu. Les pailles doivent avoir la grosseur convenable. Une paille trop grosse a une peau trop épaisse, tandis qu'une paille trop fine a une surface trop étroite. Les pailles faisant environ 5 mm de diamètre sont les meilleures. Il faut vraiment le voir de ses yeux pour pouvoir croire qu'une personne puisse traiter une paille de manière si minutieuse. Il reste 85 jours avant la livraison. Les pailles taillées entrent dans l'étape de la cuisson à la vapeur à haute température. Pendant la cuisson à haute température, la clé est la durée de cuisson. Cuite trop longtemps, les pailles risquent de noircir. Si la cuisson est trop courte, les bactéries et les micro-organismes ne seront pas tous tués et le sucre dont les insectes se délectent ne sera pas totalement enlevé, ce qui nuit à l'effet antiseptique et anti-mite. Après une nuit de cuisson à haute température, les micro-organismes ont été éliminés. Les artisans repêchent les pailles, les rincent dans de l'eau claire et les sèchent. Ensuite, on passe à la prochaine étape, l'écaillement des matériaux. Il s'agit de fendre la paille au milieu, enlever les impuretés et l'aplatir. Ce procédé, semblant facile, exige en fait beaucoup de patience et une bonne maîtrise de la force manuelle. Sans des années de pratique et d'expérience, il est difficile de fendre et d'aplatir les pailles pour les transformer en tranches minces uniformes. Pour gagner du temps, Fan Zhewei a décidé de diviser chacun des motifs du tableau en petits morceaux avant de les attribuer aux différents artisans. En attendant, Fan Zhewei procède à la coloration des pailles selon les couleurs du tableau. La coloration est un procédé sophistiqué.
Il utilise des colorants qu'il a inventés mais dont il ne révèle jamais la recette. Il reste 75 jours avant la livraison. Dans le cabinet de travail, les pailles sont coupées en fils et sont collées, formant différents motifs. Maître Zhang est chargé des aiguilles de pin dans cette partie du tableau. Elle coupe des pailles en fil fin et uniforme. Elle applique de l'adhésif sur un bout de chaque fil et étale les autres bouts en forme d'éventail à intervalles fixes. Ce motif semble facile. Mais pour atteindre le critère esthétique, il faut s'assurer que tous les fils de paille sont de la même largeur et de la même longueur. Maître Fang s'occupe des motifs de pivoine. Elle coupe le contour de la pivoine sur le croquis et colle des fils de paille colorés sur le croquis avec de l'adhésif. Selon les motifs du croquis, elle ajuste et taille les fils. Maître Zhang s'occupe des arbres. Il coupe et enlève l'espace blanc sur le croquis et colle les feuilles bien taillées. Un arbre de décoration vivant est ainsi fait. Maître Li est chargé de la marque au fer rouge. Il s'agit de brûler les pailles avec un fer rouge électrique pour former des traits et des ombres. C'est un travail essentiel pour renforcer le sens de l'espace des couleurs et l'effet de perspective. Maître Rong est la meilleure artisane de façonnage et c'est d'elle dont Fang Zhewei est le plus fier. Elle s'occupe du pan, le point décisif de l'œuvre. La qualité du pan décide directement de la qualité de l'œuvre entière. C'est aussi la partie cruciale dont Fang Zhewei a modifié et amélioré le dessin et l'arrangement. La texture des plumes de paon est montrée par la finesse des fils de paille. La coupe en fil est une technique de base. Sans une expérience de 3 à 5 ans, on ne pourrait pas couper les pailles en fils uniformes. Il faut au moins 10 ans de pratique pour finaliser la coupe en fil et le façonnage. Nous avons utilisé une technique de coupe en fil. Cette coupe peut être coupée comme un tête de tête. Sur le tableau, la symphonie de 100 oiseaux, Fang a conçu exprès un poussin d'un demi-pouce de taille. C'est un motif extrêmement difficile à réaliser. Un motif plus petit signifie des fils de paille plus fins. Pour montrer la texture des plumes du poussin et les courbes de son contour, les artisans ont besoin de nombreuses années de pratique. Dans le cabinet de travail, les aiguilles de pin de Maître Zhang sont finies à plus de la moitié. Maître Zhang a fini une trentaine d'arbres. Maître Li a marqué au fer rouge plus de 20 pierres différentes. Maître Rong a achevé les composants du pin.
Les composants du pan ont l'air totalement différents du début et présentent un effet de trois dimensions. Fang attache une grande importance à cette technique. C'est aussi la plus grande différence entre le tableau de paille de Chaozhou et les autres écoles de tableaux de paille d'autres régions. Le tableau de paille de Chaozhou est réputé pour l'effet de relief en trois dimensions. Chaque tableau présente un effet 3D à l'œil nu. Mais le secret de l'effet de trois dimensions est gardé par Fang et ses disciples, et c'est le plus grand mystère de la fabrication des tableaux de paille de Chaozhou. Maintenant, les motifs de pivoine sont pour la plupart achevés. Mais un problème inattendu est apparu. Depuis toujours, les pivoines sont collées de manière plane. Mais Fang pense que les pivoines ainsi faites sont trop rigides et la vitalité des fleurs épanouies n'est pas bien montrée. Il n'est pas satisfait de la méthode actuelle. Il reste moins de 40 jours avant la livraison. Les artisans ne comprennent pas les demandes rigoureuses de Fang liées aux pivoines. Pour rendre la transition des couleurs des pivoines plus naturelle, Fang décide de faire lui-même ce composant. Il coupe des pailles colorées en fil fin à l'embouchure oblique. Il les superpose, couche par couche, en passant de la couleur claire à la couleur foncée. Les fils de paille en bas peuvent se voir à travers les embouchures obliques et donner un effet de pénétration mutuelle. La transition des couleurs des pétales rendus est très naturelle. Après l'innovation des pivoines, Fang Zhouwei a commencé la mise en page.现在剩下一个问题就是这个水面怎么处理，我们底色都是红色的，这水呢就很难区别区分出来了。现在我们这个体现这个水，我们就是用那个草丝给它体现出来。草丝是一个方法，这个挺好的。问题就是草丝处理了以后，还是有个问题，就是因为我们的板是红色的，那这个同一颜色它很难区别出天空和水的这种效果。这看来还要想想办法。 Artisan depuis plus de 40 ans, les techniques de la mise en page ne sont pas étrangères à Fang Zhouwei. Mais comment peut-il arranger la différenciation des eaux et du ciel avec le fond rouge ? Ceux qui le connaissent bien savent que Fang excelle à s'inspirer d'autres arts. En 2010, Fang Zhouwei a créé le portrait Beethoven, inspiré par un tableau à huile.
Cette œuvre a été achetée 20 000 dollars. Ensuite, il a recréé l'ancienne ville de Chaozhou en prenant pour référence une peinture traditionnelle chinoise. L'œuvre a été vendue à un collectionneur, un prix record de 288 000 yuan, faisant d'elle l'œuvre la plus chère de tableaux de paille de Chaozhou jamais vendue. En ce qui concerne la symphonie de 100 oiseaux, Fan Zhehui compte appliquer les techniques de graffiti en pulvérisant de la peinture directement sur le fond. Les eaux ainsi peintes sont satisfaisantes pour Fan Zhehui. Sur le fond rouge, les couleurs des eaux et celles du ciel sont bien différentes. Nous sommes à 15 jours de la livraison. Vers la fin du processus de fabrication des composants, Fan Zhehui se met à la mise en page sur la plaque. C'est la création secondaire du tableau. Quand les éléments du dessin sont devenus des composants de trois dimensions, il faut modifier conformément la mise en page sur la plaque. La disposition de chacun des composants aura une influence sur l'effet esthétique global. Par conséquent, Fan Zhehui cherche soigneusement longtemps une bonne position pour tous les composants. Huit jours restants, les artisans ont fini tous les composants. Fan Zhehui va les examiner. Depuis l'Antiquité, les fleurs dans les tableaux de paille sont toujours faites avec d'autres matériaux supplémentaires. Mais cette fois-ci, Fan Zhehui n'est pas satisfait des fleurs du prunier plastique. Les pailles sont trop fragiles pour être écaillées jusqu'à ce qu'elles soient transparentes. Fan Zhehui doit trouver une autre solution. C'est l'habitude de cet artisan vétéran de plus de 40 ans. Mars est la saison des campanules. Les fleurs couvrant les collines attirent un grand nombre de touristes. Fan Zhehui est aussi sur place. Il reste moins de 8 jours avant la livraison. Il reste encore plusieurs étapes dans la fabrication du tableau, comme le collage, la décoration et l'entoilage. Le problème des fleurs du prunier a suspendu la fabrication. Mais Fan Zhehui n'est pas inquiet. Chaque fois qu'il rencontre un problème, il sort du cabinet de travail pour chercher l'inspiration ailleurs. Les pétales de campanule sont très fins et très perméables à la lumière. Après des recherches, il se rend compte que les fleurs de campanule et les feuilles de paille sont similaires.
Est-ce qu'on peut substituer les feuilles de paille en plastique pour faire les fleurs du prunier? Les feuilles jetées comme déchets ont la même perméabilité que les fleurs de campanule. Feng Zhewei a écaillé les feuilles de paille en tranches extrêmement fines. Après la coupe, le collage, et l'ajout de pistil, une fleur est née de l'innovation. Voici une autre innovation de Feng Zhewei. Le problème des fleurs du prunier non perméable à la lumière est résolu. Toute l'œuvre est achevée avec des pailles. Pour Feng Zhewei, voici un véritable tableau de paille. Avec l'achèvement des fleurs du prunier, on passe à l'étape du collage. Le collage est un travail exquis. Cela paraît simple, car il s'agit seulement de coller les composants sur le fond avec de l'adhésif. En fait, la moindre imprécision de positionnement de composants risque d'affecter l'effet esthétique global de l'œuvre. C'est pourquoi cette étape est achevée par Feng Zhewei lui-même. Après le collage, il fait encore des ajustements, ici et là. Le but est d'atteindre le meilleur effet esthétique. Ce processus durera jusqu'à la dernière minute de la fabrication. La combinaison parfaite entre les matériaux naturels et le travail humain est la poursuite éternelle de Feng Zhewei. Pour lui, le tableau de paille de Cao Zhou cherche toujours sa forme idéale, née de la fusion de l'âme de l'univers, la beauté des matériaux naturels et le génie humain.